Coucou tout le monde, c'est Emma de la chaîne Les Loisirs de ma naissance. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai pas su venir plus tôt parce que voilà, il y a eu les vacances de Pâques plus le confinement soudain, donc des fermetures des écoles. Voilà, donc les enfants, mes filles étaient à la maison donc. Quand il y a mes filles avec moi, ben c'est pas possible de filmer, malheureusement, parce que ça fait trop de bruit. Et vu que je n'ai pas de pièce à moi dans l'appartement, ben je sais pas me mettre sur le côté et pouvoir filmer. Donc quand elles sont là, ben voilà, je ne filme pas. Et d'un autre côté, c'est pas plus mal comme ça. Je m'occupe plus d'elles. Que faire des vidéos ou autre chose. Donc voilà. Alors là, j'étais occupée à faire mon DP de mon petit chat, voilà, qui est en fait une toile de l'année passée que je n'avais pas encore fait, comme plein d'autres, voilà. Donc j'essaie de rattraper tout le retard. Des toiles que j'avais achetées l'année passée et que voilà, je les ai pas encore fait avant d'entamer les autres. Donc c'est pour ça que je vais faire un peu avec vous et en même temps je vais vous parler. Donc là, j'ai pris cette couleur-ci qui est le numéro 4. Voilà. Et voilà. Donc je vais vous parler un petit peu. Donc, écoutez, aujourd'hui, nous sommes le 26 avril. Voilà. Nous sommes le 26 avril. Il fait beau. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Il fait pas 30 degrés, mais voilà, il fait bon. Et les enfants sont à l'école. Donc, ça, c'est chouette. Donc voilà, vu que je suis au calme, que je n'ai pas de choses à faire, qui est ménage et tout ce qui s'ensuit, eh ben j'ai décidé de faire un peu de DP et en même temps de prendre la caméra et d'être avec vous. Donc je voulais déjà remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. J'ai vu qu'on était presque à 290 personnes. Donc franchement, je trouve ça génial. Voilà. J'ai aussi beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des mails avec leur ATC qu'ils avaient créé. Donc en scrap. Donc franchement, je suis ravie que que vous me fassiez confiance et que vous m'envoyiez vos photos. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? J'allais dire, ah oui, concernant le diamond painting, voilà, vu que j'ai beaucoup de stock. Enfin, beaucoup de stock, allez, pour moi c'est beaucoup, mais pour d'autres c'est vraiment que dalle, si on peut dire ça comme ça. En fait, j'aimerais terminer ce que je suis occupée à faire. Et en fait, vu que je suis occupée à faire une nouvelle méthode, pour économiser et aussi arrêter d'avoir des achats compulsifs dans tout et dans rien. Pardon. Dans tout et dans rien. J'aimerais vraiment que cela s'arrête et qu'en fait, voilà. Qu'en fait, je commence à économiser parce que voilà, avec ce qui se passe pour le moment, ça devient un peu compliqué.
Surtout que là, depuis qu'on a déménagé, c'est un peu dur. Parce que bon, on a eu le déménagement, mais en même temps, du déménagement, vu que j'avais des problèmes avec mon ancien propriétaire, on a dû mettre un avocat dessus. Enfin voilà, donc ça coûte de l'argent. Puis, début d'année, ouais, début d'année, nous avons eu, enfin, nous avons eu. Mon conjoint a eu un accident de voiture auquel la voiture est complètement déclassée. Donc voilà, qui est, enfin, qu'il a, qu'il est en droit. Hein, donc voilà. Mais même s'il est en droit, point de vue des assurances et tout, c'est la catastrophe. Voilà, ça met énormément de temps à vous payer, à vous envoyer les papiers. Enfin voilà, l'administration, c'est vraiment la. Comment on peut dire la. Voilà. Et résultat, suite à ça, les mois sont un peu difficiles pour le moment. Donc, suite à ça, j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée sur une méthode qui, pour moi, a l'air géniale et que j'ai vue sur plein de groupes Facebook et sur YouTube aussi. C'est une nouvelle méthode budgétaire, donc qui est avec un système d'enveloppe. Voilà. Donc c'est en fait vous payez toutes vos dépenses fixes, ben, comme vous le faites d'habitude, donc par virement bancaire et tout, et tout le reste, alimentation, loisirs, l'essence, enfin tout ça, vous prenez votre argent liquide et vous mettez tout ça dans des enveloppes par catégorie et en fait ça vous permet de voir mieux votre budget. Voilà. Et en même temps, vous avez des défis, des challenges pour vous permettre d'épargner et tout. Donc, j'ai vu ça, je me suis dit, oh, ça c'est chouette. Normalement, je vais commencer ça le mois prochain. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à économiser quelque chose. Mais bon, on verra bien. Normalement, voilà, c'est le mois de mai. Donc, le mois de mai, il y a des rentrées. Il y a des choses qui rentrent. Voilà, les pécules de vacances, les ci et ça. Donc, normalement, pour un premier mois, ça devrait aller. Et suite à ça, en fait, je pense que je vous ferai des vidéos en parallèle des loisirs créatifs que je fais. Donc, qui est le DP et le scrap. Enfin, pour l'instant, le scrap, j'en fais pas beaucoup parce que voilà. Avec tous ces problèmes que j'ai pour l'instant, ça me prend trop la tête et j'arrive pas à me concentrer pour vouloir créer quelque chose ou voilà. Donc là pour l'instant j'ai pas envie, donc c'est pour ça que je me mets dans le DP voire même dans le coloriage pour justement que quand je fais ces loisirs-là en fait je ne pense plus à rien, j'enlève tout toutes ces choses qui me allez, qui m'embêtent si on peut dire ça comme ça, voilà. Et résultat, je peux me détendre une petite heure ou une demi-heure sans devoir penser à tous ces problèmes. Voilà. Donc c'était voilà pour vous dire que prochainement, je ferai certainement donc des vidéos comme ça
Donc si ça vous intéresse ou quoi, dites-moi ça en commentaire. Et alors aussi, peut-être par après, voir pour faire un groupe sur Facebook. Donc je suis toujours avec le 4, hein. Voilà. Quand je fais un petit DP comme ça, je suis souvent avec la même couleur, je fais toute la plateforme, enfin toute la toile. Et puis dès que la couleur elle est faite, ben je passe à une autre couleur. Donc voilà. Donc j'étais occupée à dire que enfin par après, peut-être faire un groupe Facebook sur le diamond painting en mettant des challenges dessus pour en fait. Comment dire, pour pas devoir acheter ou avoir des envies compulsives sur le diamond painting. Donc, genre par mois, je donnerai 3 défis à faire, donc genre un marque-page, un carnet. Et une toile 30-30. Si maintenant vous avez tout ça à la maison, bah tant mieux, voilà. Et si maintenant vous avez pas, si vous manque genre le marque-page et le carnet, bah en fait vous achetez ça, mais juste ça et pas autre chose en fait. Donc pas d'autres trucs, voilà. Qui seraient en fait des achats compulsifs, et voilà. Donc genre des petits challenges comme ça, comme des challenges budgétaires, mais pour le diamond painting. Voilà. Parce que c'est bien d'avoir du stock, mais d'un autre côté, si on peut limiter ce stock aussi, ce serait bien. Donc voilà. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plairait que je mette un groupe en route. Et alors, bah, ce groupe, il y aura les challenges et en même temps, bah, vous pouvez mettre votre toile que vous avez achetée, vos avancées, enfin voilà, comme sur tous les autres groupes qui existent déjà de Diamond Painting. Voilà. Sauf que ici, il y aura quelques challenges en plus tous les mois. Voilà. Donc je pense que par mois, je ferai 3 challenges. Comme ça, c'est déjà 3 choses que je ferai dans le mois, obligatoirement, si on peut dire ça comme ça. Donc qui pourra me. Allez. Qui pourra. Me faire avancer en fait dans mon stock. Et voilà. Donc dites-moi si cela vous intéresse ou pas. Voilà. Malgré que voilà, j'ai déjà une page Facebook qui est Les Loisirs de ma naissance, qui avant était Mon bien-être naturel, mais qui n'avait rien à voir avec les loisirs créatifs. Voilà. Donc voilà, j'ai remplacé ma page par Les Loisirs de ma naissance. J'ai mon Instagram aussi. Donc si maintenant je dois faire et j'ai aussi le groupe aussi que j'ai remplacé par Les Loisirs de ma naissance. Mais si maintenant on fait un groupe de Diamond Painting, alors, je ferai un nouveau groupe, quoi. Je ne le mettrai pas sur le groupe Les Loisirs de ma naissance parce que là, je mets d'autres choses qui sont des fichiers pour les enfants quand ils sont en confinement, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà. Donc, dites-moi. Dites-moi si cela vous intéresse ou pas. Voilà.
Donc je vais continuer ce petit chat en accéléré et en musique. Comme ça, voilà, ça ne dure pas trop longtemps. Et comme ça, vous verrez ben, le final. Voilà. À tout de suite. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata! It means no worries! Je vais m'arrêter ici parce que je dois aller absolument chercher mes enfants à l'école. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si cela vous intéresse que je crée un groupe Facebook Les loisirs de ma naissance pour le diamond painting avec les challenges. Et aussi si vous voulez que je fasse des vidéos sur les enveloppes budgétaires. Voilà. Mettez-moi ça en commentaire ou par email, c'est comme vous voulez. Je serai ravie de vous lire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!